Hey yo les mecs, on est sur une petite vidéo tous ensemble pour YouTube. On est actuellement 200 dans la game, il y a encore 26 personnes dans la zone d'attente, c'est abusé, on va lancer. On est 200, on va voir qui va gagner le top 1 avec 200 personnes dans la map. Regardez, c'est abusé le nombre de personnes qu'il y a. Oh my god, on est en 2v2. Allez, let's go, lancer. Putain, je suis à 3k. Oh là là, mais regardez. Moi c'est surtout la map en fait, quand tout le monde va atterrir et tout, que je vais mourir, que je vais voir tout le monde décéder, ça va être mortel quoi. Regardez. Rien que là, regardez. En 2 secondes le lobby il a été rempli, oh là là. J'espère que vous avez des bons PC hein, les mecs hein, parce que là pour tenir ça, ça va être abusif. Écart, tu as mis 100 mots de passe, bien sûr, j'ai mis 100 mots de passe, on est 40 sur live, comment tu voulais que je réunisse 200 personnes autrement. Dans la game, regardez, en haut à droite, restant 200. Il y a quelqu'un qui vient de crash. Ah. Rien que le lobby, il est monstrueux. Rien que le lobby. Mais je crois que la game, elle a été lancée, mais que ça a crash en fait, les gars. Je crois qu'on a fait crash le jeu, non, je sais pas. J'ai fait bugger le jeu. Vous pensez que je dois relancer? Ah si, c'est bon! Ah si! Oh, il y a même des constructions à l'intérieur du top pigeon. Bah d'accord, très bien. Regardez, il y a ce putain de construction. Oh mon dieu. Comment tu veux faire ça? Non, en fait, ça n'a pas crash. Construction impossible, construction impossible. Mais what the fuck, mais regardez les bugs que j'ai. On a cassé, on est en train de casser le jeu. On est en train de casser le jeu, ok, si c'est bon. La map est en train de charger du coup. 200 joueurs, what the fuck. Bah ouais, 200 joueurs, ça bug de ouf. Bah ouais, mais même moi ça bug. Regardez, what the fuck. What. C'est quoi ces bugs. What. Je suis à l'intérieur du... Ça bug tout, bah ouais, ça bug. Regardez, je me vois même pas. Ah ça y est, mon perso il a apparu. Mais regarde, 178 joueurs. Mais en fait, il y a déjà plein de joueurs qui sont en train de se battre. En fait, il y a des gens là, ils ont des PC de malade hein. Ah ouais, la dlog, bah ouais. En fait, je suis surpris parce que en fait, les gars, là, j'ai mon pote du coup Vogé. Il est toujours là. Et regardez, il y a des mecs, ils sont là. Ils sont plantés là. Il y a des bugs. Et regardez. Mais what. Non. Mais il y a tellement de gens, mais laisse tomber, mais je suis mort instant. Et regardez, rien que là. Oh là là. Mais rien que là, t'as vu le nombre de mecs. Bon, attendez, je suis hôte de la game. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1. Regardez le nombre de gens. Mais merde, regarde le truc, quoi. Oh my god. Mais tu sais qu'il reste plus que 120 joueurs. Il y a tellement de gens qui sont morts. Tu sais, de loin et tout. Oh là là, mais regardez le nombre de mecs. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a fait beaucoup de kills ou pas? Mais même pour scroll, t'as vu le nombre de mecs qu'il y a là? Oh là là. Bah ok. C'est le Dawa, mais grave. Bah, regardez cette team là, 90, le mec. Regardez le massacre qu'il fait. Regardez tous les cadeaux par terre. Regardez, ils ont plus de balles, les mecs. Ils ont plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Le mec, il a 5 kills. Imagine la frappe aérienne, mais grave. T'imagines une frappe aérienne là, frérot? Il a 9 kills. Regardez. Tellement il y a de gens qui bug. Le mec, il a 10 kills. Il continue, mais what? kills, 13 kills. Toujours plus dans la vue. Toujours plus.
Mazamez, oh mon dieu, 13 kills. Le mec Akasimo. En fait, il y a tellement de gens qui ont buggé parce que la map elle a généré trop de trucs. Le mec il se fait plaisir de ouf là. 15 kills. Il va se faire 15. Il va se faire 20 kills le gars. Il va se faire 20 kills, regardez-le. Il va faire le record de kill ever. Il va vraiment faire le record. Ah ouais, non, il s'est fait tuer. A few moments later. J'ai hâte de voir qui va remporter, surtout quoi. Qui va remporter? Parce que vous imaginez le mec qui gagne alors qu'il y a 200 joueurs. C'est un pro, alors c'est un mec AFK qui est resté loin. Il a fait sa pute dans un bush pendant 4 ans, tu vois, c'est ça. Et c'est le seul moyen d'avoir ça. Mais on aura fait, on aura l'honneur, les gens, d'avoir été le premier youtubeur, la première personne à avoir fait une game 200 joueurs. Ça aura été nous, les gars. Ça aura été nous. Ça aura été l'exploit de la chaîne. Et c'est un exploit qu'on va pouvoir, du coup, mettre en screen, qu'on va pouvoir donner aux modérateurs et tout. Ils vont rigoler, ils vont dire bah, what the fuck, quoi. Ça va être insane. 200 joueurs. Je me répète beaucoup. Je sais que je suis un petit peu en mode waouh, waouh. Mais c'est waouh, c'est waouh. Du coup, on a 20 tonnes qui commence et qui continue à 8 kills, hein, le mec. 8. Mais les gars, vous vous rendez compte quand même qu'avec 200 joueurs, le mec, au début, il a spawn, il a fait 25 kills. Alors qu'il était tout seul et après il est mort, bien sûr. Mais il aurait pu faire le record, le world record easy. Il y a du coup la team 85 qui arrive ici, qui est déjà bien, et là qui engage le fight peut-être. Ah non, ok, c'est un autre allié, ok, c'est un autre allié. Mais il y a Farex en face, peut-être Farez, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura absolument rien. Ah si, il y a le fight qui va s'engager. Ok. Farez, numéro 55, qui est très très mal, hein, peut-être très très mal. Annie qui rush. Annie qui commence à rusher. Ok, on a le petit. Alors, Karim. Alors, à mon avis, ils ont pas un niveau très très fort. À mon avis, je pense que ça va être plié pour la team d'Annie. Ouais, c'est plié. Hein, c'est... Ah, quoique, ils galèrent un peu. Hein. Ah, voilà, merci, enfin. Et du coup, son mate qui tue l'autre personne derrière. Très très bien. Ils ont à gérer cette team là. On va aller voir quelqu'un d'autre. Oh, Ventod qui maintenant est à 9 kills et qui se rapproche de la team numéro 11. On va essayer de voir. Ok, il y a un fight entre la team 97. Oh, il y a Experty, peut-être Experty. Bon, Wasky Legends toujours présent. Experty qui rush avec Rosita en face. Ok. Rosita qui du coup tue Experty d'une façon très 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 simple. Son qui commence à rush un petit peu Ventod. Il avance. Allez, on propose Wack qui me dit go sur ma vision. Wasky, attention. Oh, Wasky, Wasky le malade. Wasky qui tente la Skybase. Wasky qui tente la Skybase sur une game à 200 joueurs. Oh là là, Wasky qui nous fournit du beau, de la qualité. Wasky qui tente, qui va peut-être réussir cette Skybase. Oh là là, ce serait magnifique. Top 1 Skybase avec 200 joueurs. Ce serait magnifique. Wasky qui nous vend du rêve. Wasky, on va revenir sur ton écran peut-être après. C'est actuellement Blue Fire avec Annie, Rositas. Oui, il y avait tout le monde, il y a deux teams. Ok, Rosita, Annie. Annie qui se fait tuer. Annie qui se tue par lui. Attention. Attention, il y a eu beaucoup de kills là. Beaucoup de morts. Il n'y a plus que 17 joueurs. Il reste plus que 17 joueurs dans cette game. Nous rappelons que Wack est toujours en Skybase. Wack qui monte jusqu'au fin fond de l'univers. Peut-être que Wack va faire un top 1 avec autant de joueurs. Ce serait magnifique. Wack, j'ai pas vu, mais est-ce qu'il a une cola? Parce que s'il n'a pas de cola, à mon avis, ce joueur peut mourir d'un moment à l'autre. Et ce serait très 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 dommage d'avoir tenté une Skybase sans avoir eu du coup de quoi revive. Ce serait vraiment bête. Kemo Elemi qui a un PV. Kemo Elemi qui est très très mal. Ouais, c'est Switch The Junior. Ok. Ok,
ce Junior qui se fait rush par contre par Itzema. Ah non, mais Itzema, je suis con, putain, c'est un allié. L'erreur de Kamentari. Il est là, il est présent. Ok, Vamila. Ce Junior, Itzema, ok. Vamila qui du coup tente. Je pense qu'à mon avis. Ouh, ouais. Vamila du coup qui rush. Qui va se faire prendre la hauteur. Ok, la hauteur a été prise. Itzema, là il y a le team. La team play, le team play peut-être. Non, ah si, voilà, Vamixtaz qui met un coup de pompe qui termine son adversaire. Oui, voilà. Il ne reste plus que 10 joueurs. Le début de la construction et qui du coup permet à WAC pour le moment de survivre dans ce monde. On va voir. Ibrahim qui va peut-être se faire prendre derrière par Elisabeth. Elisabeth, je le répète, qui est l'une des plus grosses joueuses de CD. Ok. Et non, il a voulu fuir, mais non. Et voilà, Elisabeth qui termine Ibrahim et qui se classe du coup dans le top 6 actuellement. Voilà, donc top 6, les mecs. Il est tombé. Ouah, qui est tombé. Oh là là, Waskai qui nous fournit du beau, de la qualité. Waskai qui tente, qui va peut-être réussir cette Skybase. Oh mince, Wak est tombé. Wak qui ne terminera pas et qui finira du coup son combat dans la tombe, malheureusement. Ouh, All Might justement qui chance. Peut-être. Attends. Elisabeth, ok, très bien, le combat est engagé. Elisabeth, All Might. On va voir. All Might. Elisabeth, allez, on va voir. Ah, à mon avis, je pense que All Might, il a une maîtrise du combat un peu moins forte que Elisabeth. Je pense qu'à mon avis, All Might va se faire exterminer. Ah, il va se faire exterminer. C'est sûr. Ah ouais, vu comment il joue, c'est sûr, il va se faire exterminer. Quoique, il prend la hauteur. Peut-être un retournement de situation, peut-être quelque chose qu'on a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Effectivement, Kemo qui était très très loin et qui a eu le temps de sniper et qui a eu le temps de voler le kill. Voilà, Kemo qui a resté, qui est resté très très discret pendant ce match. Elisabeth qui tue Kemo et qui fait son cinquième kill dans cette partie. Voilà. Elisabeth peut-être qui va confirmer son rang. Elisabeth peut-être qui va confirmer son rang de plus gros joueur CD pour le moment. Sa tour d'or. Ouh, Elisabeth qui a vu Nocton. Nocton, le combat est engagé. Ouh, Elisabeth qui tente le noscope à cette distance. Elisabeth qui roule sur ses adversaires, qui n'en a plus rien à foutre, qui montre qu'il a le temps d'essayer des noscopes. Nocton qui bégaye. Nous allons peut-être avoir Nocton qui tue Elisabeth. Oh, Nocton qui va se révéler. Nocton qui va peut-être faire le top 1. Nocton peut-être le premier à triompher d'un top 1 avec 200 joueurs. La prochaine zone qui est en avantage à Nocton. Ok, la prochaine zone qui est directement avantagée pour Nocton. Ce qui fait que Mohimo va devoir sortir quoi qu'il arrive. Il peut y arriver, Nocton. Mohimo qui rush, ça y est. Mohimo, ok. Mohimo qui était coincé dans un buisson. Allez, Nocton, c'est le moment de briller. Nocton, c'était le moment de lui caler une balle. C'était le moment rêvé. Nocton qui ne bouge pas, pourtant Mohimo, sa cible est devant lui, sa cible ne peut pas se protéger. Qu'est-ce qu'il fait, Nocton? Nocton qui engage le bullfight. Nous allons savoir qui est le gagnant. Ok, Mohimo, Nocton, Mohimo qui... Oh, Mohimo qui se fait surpasser. Nocton qui le pourchasse. Nocton qui aurait pu lui caler une balle, attention. Nocton qui prend la hauteur. Il a l'avantage, Nocton, il a l'avantage. Il lui a coupé sa construction, c'est bien. Ça édite. Ouh, Nocton qui lui cale une balle. Nocton qui cale une balle à Mohimo. Il arrive, il le rush.
Noxton a clairement l'avantage sur ce BR. Il a actuellement l'avantage. Noxton qui montre qu'il est présent. Noxton qui a perdu son adversaire de vue. Et pourtant son adversaire est juste à droite. Noxton qui est très très mal comparé à Moïmo. Il est Moïmo, il est juste à côté. Moïmo qui le... Moïmo, Noxton. Oh là là, c'était tellement un bouleversement. Noxton qui était là directement avec Moïmo. Il se cherchait. Et enfin, Noxton finit top 1. Le premier homme, la première personne à avoir eu un top 1 200 joueurs. Noxton, bravo à toi, Noxton. Bravo, bravo, bravo. Tu mérites amplement ton top 1. The money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny.